Avec la bande originale de films comme Le Parrain ou Out of Africa en fond, ces enfants travaillent dans ce campement de cinéma de la main de Kike Diaz. Il s'agit du projet éducatif La Magie du Cinéma, avec lequel ils prétendent montrer d'une manière amusante comment lire et raconter des histoires avec des images et des sons. Nadie nos enseña el alfabeto, ni la sintaxis, ni la gramática del lenguaje más poderoso de nuestro tiempo, que es el audiovisual. Un des objectifs de ce projet est de créer des spectateurs critiques. Que todo lo que ven a primera vista no es siempre la realidad. Tienen que buscar detrás. Les petits expérimentent avec la lumière, les formes, la couleur et le mouvement. Ils connaissent le cinéma d'ombre et le stop motion et ils construisent des ustensiles comme un folioscope, en plus de se rapprocher des concepts basiques. Les hemos mostrado diferentes formas de tomar imágenes con fotografía, como encuadrar. ¿Y cómo se hace cine? Hablamos sobre qué era el cine, teatro con cartón. Y con luz que se hacía antiguamente. También hemos visto varias películas como El Mago de Oz o cosas de antiguas como Charlie Chaplin. Un autre des outils qu'ils utilisent est le cinéma classique, comme un premier pas pour apprendre à voir les écrans et à construire des récits avec des images. C'est ce que font ces enfants à la Térmica, un centre culturel de Malaga. Las pantallas muchas veces sirven de pantalla y hay que comme Alicia, il faut passer à l'autre lado. A que nadie dejaría a un niño o una niña solo en un bosque. A que no. Y sin embargo, los dejamos solos frente a la tablet, con una conexión a Internet. Pour que la technologie soit notre allié, il faut sauter de l'autre côté de l'écran et connaître ce qui se trouve derrière ce que nous voyons.